Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes ensemble pour une heure de bêtises, une heure de bateau, une heure de n'importe quoi avec de la Kizuki. Il faut qu'on fasse une victoire. C'est pas compliqué. Je vais pas pouvoir faire 150 000 batailles en faisant que des défaites et en faisant l'intégralité du T8 sans faire une seule victoire. C'est vraiment n'importe quoi, Wargaming. Allô, Wargaming. Il faut que je gagne. Alors, maintenant, tu te bouges le cul et tu me fais gagner. C'est tout, je m'en fous. Je m'en fous de savoir, putain, T10. C'est une partie en T10. Ouais, Breezy, c'est l'employé de l'année 2018-2019. On fait pas mieux que lui. Ah oui, Moussaillon, bienvenue dans notre équipage. Oui, merci, Gleif, pour ton sub. On fait pas mieux que Breezy, l'employé de l'année, il faut absolument qu'il revienne. Je m'hésite vraiment en ce sens. Le retour de Breezy. On s'ennuie tellement au travail depuis qu'il n'est plus là. C'est terrible. Salut Apo! Comme vous pouvez le remarquer, je suis très en forme ce soir. Je veux gagner. Il me faut une victoire. C'est pas compliqué. Salut Glyph, merci pour ton cross-sub. Peut-être un jour. C'est simple, tu dis je veux revenir, et puis dès que ta carence est terminée, tu es de retour. Il y a un poste libre à l'emballage. Il y a Jean qui est venu nous aider aujourd'hui toute la matinée, je sais pas si t'imagines. Bah ouais, la ligne sort à 25, mais on fait 20, alors forcément, au bout d'un moment. J'en ai jusque là-haut. Là, du coup, là, on était un peu dans les choux. Salut, le canard. Ouais. Ouais. Entre 60 et 80 heures, quoi. Enfin, comme d'hab. Ouais, il y a du boulot, ouais. C'est pas un truc de fou. On est pour 40 heures, toi. On est au 35, tranquillou. Allez, tiens, vas-y, prends ça à l'avion. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Alors, je me fais une rétrospective Rambo deux fois par semaine. J'ai fait Rambo 1, Rambo 2 ce soir. Semaine prochaine, Rambo 3, Rambo 4. Et bien entendu, tout ça pour la sortie de Rambo 5 qui sort le 25 septembre. Je serai à jour. Alors j'ai vu Rambo, donc ce soir je suis immortel, je tue tout le monde. Voilà, salut Freezy. Le futur rempli de sécurité, mais je prendrai pas une photo de lui. Je te dis de suite, je le prendrai pas en photo. Et l'employé du siècle. Ouais, il suffit simplement que je me mette un bandana rouge. Et puis je vais tous vous tuer. Et puis je dis même rien d'ailleurs. Ils se contentent de tirer. Tiens, voilà, tu vas mourir. Ah. On est tellement nombreux à être dans. Ouais, je sculpte, tant pis. Ça, c'est intéressant, il y a un délit par là. Je suis plus visible. Oh, je tourne comme un cake. Tourne! Tourne comme un. Oui, ça serait bien. On cherche Hydro, je suis radar. Là. Foncer vers lui, j'en ai marre, je vais le chercher. J'embarque, il me voit, je suis radar, je m'en fous, c'est pas grave. Allez, viens. On va jouer, tu peux jouer? Ok. Tu peux jouer, pas de problème. Où est-ce que tu te caches? Ouais, je sais, t'es pas loin. Non, t'es là.
Salut. Ah, je vais te choper, je vais te choper, je vais te choper. Tu viens de lâcher tout ce que t'avais là. T'es tout seul. T'es tout seul. T'es tout seul. Je suis pas là, t'es tout seul. Qu'est-ce que tu vas faire? J'arrive. Me voilà. J'ai besoin d'aide. Allez, que je te défonce, viens là, si t'es un homme, tu vas mourir. Non, il va me défoncer, hop. Allez, viens. Allez, viens. Allez, avec tes canons pourris, je vais te tuer, je vais te tuer, tu vas mourir. Ça m'a réussi bien, Rambo 2. Plus de peine, hein. Pas content toi, t'en veux aussi, allez viens, on va voir qui se bosse. Il me reste absolument plus rien, autant dire qu'il va m'envoyer les... Oh. Je me suis fait choper. Ouais, ça va mieux. Salut Siatox. C'est pas moi, c'est lui qui a commencé. Il a envoyé les torpilles. Bon. Alors, du coup, je suis mort là. Mais c'est même pas dit qu'il est gagné, en fait. Salut, Fiesta. J'ai complètement dépli le Rambo, mais c'est fun. Ça fait quoi, je sais pas, 15 ans? 15 et 20 ans que je les ai vus. Et j'ai pas vu Rambo 4. Rambo 4, je l'ai pas vu. 1, 2 et 3, je l'ai vu. C'est rigolo. Oui, oui, je sais. On nous a averti, Freezy, je... quelque part. Je me suis inscrit, mais j'ai même pas besoin de m'inscrire. En tant que CC, on va participer automatiquement dès les premiers lancements de la bêta. Vous allez pouvoir les voir. Merci. Pour ceux qui n'ont pas encore leur accès, vous pourrez baver. Vous pourrez baver devant les tests. J'ai un peu peur. Ils disent qu'ils vont mettre... ils disent qu'ils vont mettre 3 sous-marins par partie. Ouais, mais les autres joueurs, ils vont jouer quoi? Ça va être des bots? On va jouer contre des bots? Alors, ils ont dit qu'il fallait s'inscrire, et puis qu'après, ben, ils donneraient au fur et à mesure, au hasard, des accès. Nous, on va avoir accès assez rapidement, hein, les CC. Pour ceux qui sont intéressés, bien entendu, pour ceux qui sont les plus au point pour le sous-marin, j'ai peur que si on tape que des bots, ce soit... Je sais pas. J'en sais rien. Je sais pas à quoi ça va à quoi ça va ressembler. Hello, Everett. Salut, Sergio. Ah ouais, c'était malin ça, c'est vrai. C'était malin. Comme ça, ça fait tourner et ça évite aux gens d'avoir toujours...
autour du sous-marin. C'est vrai, je me rappelle maintenant du système. On se demandait déjà à l'époque comment ça allait être fait. Ça s'était bien passé. Je suis content d'avoir chopé le CV. Je suis pas fait trop mal, mais j'étais vraiment juste en face de lui, quoi. J'aurais dû se moquer plus tôt. C'est une bonne méthode. Bon, je vais enfin avoir mes points de recherche, ça c'est bien. Il fallait s'énerver un coup. Ah, je suis content, je me suis chopé un Benham. Il s'est dit je vais combattre au canon, et puis il s'est dit non, c'est une mauvaise idée. Je vais fuir plutôt. Ouais, mais non, ça marche pas. Par contre, Anna qui se voulait bien énervé. Ouais, j'attends ça avec impatience. Je suis vraiment super enthousiaste. Que ce soit à la chasse au sous-marin ou au sous-marin en lui-même. Ils vont vraiment utiliser cette phase de test pour tester plein de choses. Peut-être, ils ont parlé aussi dans le texte, peut-être de différentes contre-mesures. On va voir à quoi ça ressemble. Oh la vache, il est loin. Il est là-bas et il est tout neuf à Montana. Et si vous vous rappelez bien, les détracteurs des CV disaient ouais, vous allez voir, avec l'arrivée des nouveaux CV, tous les joueurs vont partir, le jeu va être mort, il n'y aura plus personne. Bah non, il y a encore du monde en fait. Et s'il y en a qui sont partis, c'est sans doute le cas. D'autres sont venus. Et ils s'étaient très intéressés par le nouveau gameplay. Salut Canaf. Oui, ça va. Donc l'ajout d'une nouvelle branche, d'un nouveau système, d'un nouveau gameplay. Un nouveau mécanisme, parce qu'il va falloir jouer, il va falloir faire avec, c'est souvent un game quoi. Il y en aura entre 1 et 2 par partie. Non, ça va aller. J'ai la pêche. On a gardé. Il me fallait une victoire, j'ai ma victoire. Il est vraiment parti sur une autre map. Je comprends pas pourquoi ne pas combattre quoi, car t'es dans le coin. Tu voudrais partir sur une autre game. Je comprends pas trop à quoi ça sert de ne pas combattre. Voilà, marquera plus de points. Ils y ont pensé. De mettre un malus. À quoi ça sert de rester en vie de la stat? Rester en vie n'est pas principal dans le jeu. Moi je recrute un mec pas au fait qu'il reste en vie quoi. Je recrute un mec au fait de son win rate. Il peut passer à... Ouais, c'est ça. Il peut aller à Poudlard. Ouais, mais y en a qui sont comme ça en prisonnière à côté. Moi je dis c'est pas important, mais je continue quand même à regarder le mien quoi. Donc,
que bon faire. Je suis stable. Je me vois faire des gros bons, mais en fait, c'est... Je suis à 52. J'ai des points de recherche. Points de compétences, de expérience. Petite partie à 1584. GG, très bien. 19 000 points. C'est parfait. J'ai fait 19 000 au Kaga et 18 000 au Benham. Oh, ce que je lui ai mis. Faut pas me faire chier. Oh, c'était Captain Baguette. Putain, en fait, c'était un frac. Ah merde. Désolé. Je vais lui écrire. Captain Baguette. Captain Baguette, tirez bas. Je vais aller dans le score de l'équipe. Captain Baguette tiré bas. Il est combien? Il est là. Je vais déjà le complimenter. Et je vais le mettre ajouter au contact. On va aller lui mettre un petit mot. Salut, salut. Il est déjà reparti en bataille. Pour avoir autant d'XP, j'utilise tout ce qui est économique au maximum, en effet, comme dit Canaf. Tu vois déjà, regarde ce très joli camouflage. Ça s'appelle un camouflage type 59. Il offre 200% d'XP de base. Ensuite, on va sur l'apparence. Ici, on utilise Equal Speed Charlie London, plus 50% d'XP. On utilise Dragon Rouge, plus 100% d'XP. Scylla, plus 50% d'XP. Basilic, plus 75% d'XP. Hydre, plus 50% d'XP. Et je pourrais mettre un Léviathan, plus 50% d'XP supplémentaire. Bien entendu, je suis en premium. Ce qui est encore un peu la chose. Et voilà comment, sur une partie extrêmement bonne à 2300 d'XP brut, tu fais du 26 000 d'XP. Il faut les avoir, ces pavillons économiques là, mais ils se chopent en classé, ils se chopent en ranked sprint aussi, ils se chopent... Non, j'ai pas le Colbert, je vise plutôt l'Ohio. Canaf. Je vais attendre que l'Ohio sorte. Et bien entendu, il y a la victoire supplémentaire du jour aussi qui offre 50% d'XP supplémentaire à l'occasion de la première victoire. Ah, tiens, il a rien lui. Il a zéro pavillon. Donc on va mettre ça. On va mettre donc ça. Ça donne que des sous. Et ça donne que des sous. C'est pas intéressant. Il met de l'enlèvement en moins là. Les économies qui sont en train de partir, c'est pas quelque chose que je pourrais faire tout le temps. Je pourrais pas faire tout le temps autant. J'ai un commandant de 19 points déjà. Je vais mettre ça. Et puis on va mettre que je veux aller plus vite. Comme ça, je suis à 7 sur 8. C'est bon, le type 59, il m'en reste encore 114, donc voilà. Yoshino, Smolensk, ce sont deux navires vraiment très très différents. Je connais plutôt le Smolensk. Voilà, Smolensk, très très bien. Vraiment, très très bien. Allez, c'est parti.
Un coup de Yuki Kaze. T'avais 1000 de ping sur cette partie. Non, ça allait bien. T'as commencé à combattre Captain Baguette et puis après t'as fait... Après t'as dit... Autant se barrer. Je comprends pas, je pense que t'aurais pu m'ouvrir en deux en fait. Mais c'est sans doute à cause de ton ping. Ouais, Brett, j'ai foi en Wargaming, j'espère qu'ils vont le remettre un peu mieux. Super, ils ont fait quelque chose à la coque. Ils ont vraiment fait quelque chose à la coque. En tout cas, Captain Baguette, j'ai bien aimé notre fight, c'était bien sympa. T'aurais dû gagner. J'aurais pas dû prendre une de tes torpilles aussi. T'aurais dû gagner. Essayer d'aller sur D. J'ai surtout aimé le fight parce que je suis sorti victorieux. Non, j'aurais pu l'apprécier aussi, même si j'avais perdu. J'ai trouvé sympa. Ouais, bon Dieu. Voilà, ça c'est pour moi. Tiens, je prends ça. Non, il me voit pas. Je recoupe tout. Je sens que ça va mal se passer. C'est pourquoi, quand je dis ça, tout ça se passe tout le temps très mal. Bien sûr, on est en T10. Oui, on est en T10, c'est génial. J'aime ma vie. C'est trop bien. Rester comme ça. C'est toujours comme ça, il évite bien mes torpes. Sauf s'il fait des trucs comme ça, ça peut être fun. Parce qu'il va se remettre dedans en fait. Ah merde. Il va se remettre dans mes torpes. Hein. Peut-être des chances. Oh, il y a des chances qu'il se remette dedans là. Attention quand vous faites des zigzags. Si vous faites des zigzags trop rapides, vous vous remettez dans les torpilles. Quand vous faites des zigzags, ne faites pas des zigzags trop rapides. Zigzag trop rapide égale bah, tu te remets dedans en fait. Bon, je vais les caper. Ah, il l'avait bien, il l'avait complètement évité, hein. Il avait tourné. Hein. Il l'avait évité, mais le truc c'est que. Il est revenu dedans, quoi. Un Flatipos. Stock. Ouais, je pourrais pas faire grand chose. C'est aussi Spock. Nice, quelque chose qui me tire dessus. J'en fous, je vais caper quand même. Bon, je passe derrière. Moi, je fais pas de smoke hein, donc c'est un peu la warrior. J'ai l'impression que le Vati est en train de faire demi-tour. 4 secondes. Je le vois plus. Je vais faire demi-tour aussi pour ne pas sortir de la zone. Je
problème. 4, 3, 2, 1. Ah, le putain, il arrive, putain. Ah, c'était un terrible, c'est pour ça. C'est lui qui me tira dessus. Bah ouais, ouais. Faut pas faire grand chose. Oh, ça va, ça me dérange pas. J'ai pas de smoke, de toute façon, il va me passer au-dessus. Ben, je coupe. Jette. Allez, on va aller sur C. On va essayer d'y aller pour être plus vite. Oh. Le terrible est en train de revenir, c'est dingue comme il va vite quand il a fait un aller, il fait un retour. Je sens pour le tour de la carte. Bah, je suis en boost mort, je me traîne un peu quand même. Hein. Ah les neuneux, traîneaux des fesses. Ah mais oui voilà c'est super, faisons ça. Tu m'as pas vu, tu m'as pas vu. Je parle au chasseur d'Akuryu, tu m'as pas vu. Voilà, tu m'as pas vu. Très bien, très bien. Allez, on va caper. Ah, ça c'est moche, un Fletch. C'est le Fletch. Il m'a pas vu, je rêve. J'ai l'impression qu'il m'a pas vu. Il regarde d'ailleurs, il m'a pas vu. Il m'a pas vu, je tire pas. Ça y est, il m'a vu. Qu'est-ce qu'il fait ça? Oh, c'est pas vrai. J'aurais pas tué, ça fait deux fois que je me tape des fights et que je l'ai pas tué quoi. Alors qu'il m'avait pas vu. Ah oh, je l'ai laissé à 595. Il a fait haha. Moi aussi je fais hahaha. J'ai joué avec le feu. Il a fait hahaha, puis moi j'ai fait hahaha aussi, du coup. On va la perdre celle-là. Ah, mais c'était fun. Tellement concentré sur je sais pas quoi que il regardait pas sa minimap. Monsieur, il y a quelqu'un là à côté. Il nous fonce dessus. Il est à 300 mètres, qu'est-ce qu'on fait? Pour l'instant, le commandant pique un pion.
salut Alex, salut Galaxio. Ah, j'aimerais bien essayer quand même de faire une victoire avec les deux, ça me plairait bien. J'aurais peut-être dû tirer mes torpilles plus tôt en fait. Vu qu'il est toujours à la même vitesse. Enfin bon. On peut refaire la bataille hein. Ils revenaient tous de toute façon. Ils sont tous en train de revenir. Ça aurait été chaud de tenir. Ils sont tellement nombreux que on est foutu du score. Ça faisait beaucoup quand même. C'est que je dépense du camouflage et des flags quoi. Enfin, c'est pas perdu puisque j'ai une quand même de l'XP mais c'est moins intéressant que si je faisais une victoire. Une bonne game, tout simplement. Bon allez, lâchez la rampe là, elle est perdue. Midway. Salut Asie. Comment je fais que ça, bon, ça se fait que je voie pas combien on soit. Ah ouais. Je me sais bien aussi. 52. Boom. On va perdre. Oui bah oui, on va perdre. On a 3K avec son Lady Vostok. Il était content parce que sur coup ça fait 183K. Il peut être heureux. Alors, qu'est-ce que ça donne là? 6 000, moi je dis. Alors, 12 000, j'ai été. J'ai une cape, je suis deuxième avec 1182 de brut en loose. C'est moche. Et c'est Surcouf qui est premier. 2837 de brut. Tout se cache sur une défaite, c'est parce que j'ai fait 1182 de brut surtout. 1182 de brut sur une défaite, c'est moche, hein. C'est que c'était une bonne game. C'était une bonne game quand même. Mais là, surtout le 2837 de surcouf, quoi. Pouah, j'ai pas fait souvent des parties comme ça. Hein. Le maximum que j'ai fait, c'est 2400.
2800. Pour peu qu'il ait mis un peu de camouflage dessus. C'est un truc de fou. Hein. Bon, on est reparti. On essaye de faire un truc là. Ce serait bien. Il a fait 4 kills. 183, 4 dommages, il a dit. Il a dit, hey, j'ai fait 183, 4 dommages, vous pouvez me tuer maintenant. Il est même pas mort. Ça commence à piquer, hein, 183 en T8. Sachant qu'on était contre du T10. C'est pour ça qu'il a fait autant d'XP. Parce qu'un T8, quand il tape sur le T10, il fait plus d'expérience. Quand tu fais des dommages contre un tiers supérieur, tu fais plus de points. C'est pour ça que j'ai fait aussi des points. C'est parce que j'ai tapé sur le Fletcher. Et j'ai tué un Minotaur. Bon, alors là, Calmos. Sois sage. Qu'est-ce qu'il y a? Nemberg, Mens and Man, Fubuki. Oui, bah oui, c'est la contrepartie. Ouais. Oh, ces canons qui tombent tellement lentement, lentement, les canons. Faire accompagner avec nous, on a un man, un Fubuki. Et moi. Alors qu'en face, ils ont un Benson et un man. Benson man et nous, c'est Kagero man. Ok, par là. Man, il est là-bas tout au fond. Je vais essayer de pas rester tout seul, quoi, parce que je suis un Kagero. Ça va être de foncer trop, de se faire trop voir tout de suite, et de mourir connement sur une game T6, où est-ce que je peux performer quand même. C'est une game T6, hein. Oui, ils ont un pay to win. Un pay to win en div. C'est jamais très bon. Le tourner en face. Ah oui, c'est clair, vas-y, c'est clair. Galissonnière qui va vite manger, je pense. Moi, j'ai failli me faire torpiller par hasard. T'as le topage par hasard, ça veut dire qu'il est toujours par là. Ah, c'est un mal. C'est à hésiter quand même. C'est vraiment à éviter. Galissonnière, canard là. Tout support. Il va passer devant le caillou. Donc il va se mettre. Voilà, devant le caillou. Parfait.
bien ça. Tu fais des tours, le man, et puis le man, c'est dessus. Je sais pas. Il m'a pas vu. Il m'a pas vu. Il a pas fait attention à moi. Les gens regardent pas leur minimap en fait. C'est fou. Voilà. Eh bah ben, c'est pas mal son positionnement là. Par rapport à ce que j'ai tiré. Ah mais c'est tellement pas mal du coup, ça va peut-être toucher. Une pour la route. Ouf. C'est tellement près. Le cuirassé qui a l'air assez intéressé pour avancer. Je le vois. Oh, merci, c'est gentil, mais tu indiques où est-ce que je suis en fait. Du coup, il fonce dedans. Le Richelieu. Rembourser. Rembourser les torpilles. Richelieu. Richelieu. Alors, le but va être. C'est pas mal cet angle-là, mais. Quelque chose me dit que. Il faut pas rester comme ça. Wow, il y a Bismarck là aussi. Ah merde. Ça passe derrière les cailloux. Je vais prendre mal en patience. C'est de le suivre. C'est comme ça, il va passer derrière ce caillou là-bas. C'est loin. Bismarck pour l'instant. Tout droit. Ça m'intéresse. Si tu fais ça, tu vas tourner. Tire sur Bismarck dans un peu de temps. Et. Alors, Bismarck, qu'est-ce que ça touche? Une, trois, 15 000, 30 000, 45 000, 58 000. Ah, j'adore les mecs qui bougent pas. Ah, dommage, alors que je suis un peu accéléré. Peut-être ça prend une. Ah, ça m'a pris une seule. Oh, 72 000 de dommages déjà. Je suis toujours à portée. Oui, il a pris cher. Donc là maintenant, les mecs ils sont tout seuls. Ils disent on peut tourner. Tourner. Mieux c'est encore le Bismarck. Et je suis à 28 secondes. Je tiens, voilà, tourner.
Bismarck. Je le sens bien, Bismarck. Ah non. Ah, il y a le Benson qui est avec eux, attention. Ah, merci mauvais pour moi ça. Bismarck. Alors on fait comme ça. Et on va commencer à accélérer. Il va s'en prendre une. C'est en train de foncer sur zone. But ça va être de temporiser. Il va s'en prendre une. Allez, une. Alors, il y a le Benson qui est là, je peux pas trop passer sur le côté. Benson. Surtout que je m'en aille comme ça. Les mecs vont rester de face. Ils vont pas montrer leur broadside. Conclusion, il faut que je chope. Putain. Voilà le problème. Voilà, il est là. Là-bas. Je vais tendre vers moi, Bismarck. Tu vas vite. Je tiens pas à taper trop l'hyper. Juste derrière. J'essaye quand même. Plus chaleureux, va mourir aussi. Il en marche arrière. Il en marche arrière. Je toucherai pas. Il faudrait que je rechoppe Benson. Qu'on puisse lui faire sa fête. J'indique à l'avion peut-être d'aller par là. C'est de choper Benson. Voilà, elle y va. Peut-être bouger hein, depuis. Mais... Je suis sûr que Benson n'est pas là, il a pas pu se casser trop vite. C'est dit, ça sent pas bon, mais. Il doit forcément être par là. Tiens, torpille. Ça. Où est-ce qu'il se cache? On va le chercher. J'ai peur que...
prendre cher alors que je pourrais être utile ailleurs. Le problème, c'est que si on le trouve pas, tu pourrais très bien venir caper la base derrière. C'est le plan. Je savais que je trouverais. Allez, attrape la balle. Attrape la balle. C'était quand même couillu d'aller chasser un Benson en Kagero, j'avoue. Hein. Mais si c'est pas moi qui le chassais, qui allait le faire? C'est allé sur la map, personne n'était prêt à aller le chercher, quoi. Ça, c'est un quas qui capte derrière sans que personne ne le voit. Pour moi, elle est gagnée. Pour moi elle est gagnée, mais faut quand même être prudent. Parce que le Benson pourrait revenir sur le porte-avions par exemple. Benson peut revenir vers toi, CV, fais gaffe. Puis rien ne l'empêche aussi de torper le Duke of York, puisque 9,6 km, personne ne le voit. 9,6 km de torpille, la torpille de Benson sent bien. Hein. Qui hein? C'est plutôt par là que le problème va venir. Oh, le CV qui revient, quoi. Oh putain, on va peut-être la perdre. Ah, à cause du coup tout ça. Oh non, le coup tout ça for Ranger, ça c'est mauvais. Ça marche pas bien. Non, ça sert à rien de faire demi-tour. Ça sert à rien. Faut les faire rentrer. Ah, tu les as perdu. Pendant ce temps. Ah, double coup tout sauf. Ah, c'est les Petwins. J'avais dit que. Ça veut dire qu'ils nous feraient du mal. Le mal ne peut rien faire, il va se faire défoncer contre un couteau. Voilà, la tête pire a perdu. Ils vont gagner. Ils vont gagner à cause des couteaux j'ai fait des Petwins. C'est moche. Tout ça fait dans la zone, il empêche le cap. La mine va esquiver les torpilles faciles. Oh. Oh, ça fait mal. Oh, ça pique.
peux sortir. Non. Ça joue à pas grand chose en fait en termes de points. Ah, si maintenant ça joue à beaucoup plus. Elle est perdue. C'est les Wargaming Pétouillons qu'on fait la game. C'est l'inspecteur. 4 kills. 4 kills 5. Et le deuxième au Kutuzov. Voilà, je cherche pas. C'est pas tout le temps le cas. C'est pas tout le temps le cas, mais quand on a. Quand on a un violet. Dans la game des fois, et puis son copain, son pote est deuxième, il a pas fait de kill mais il a fait 1584. Ah ça pique. El Benson m'a tué moi, il a fait 1422. Je suis deuxième. C'est triste. Allez, il est l'heure pour moi de vous laisser. Nous sommes jeudi soir, ce qui veut dire que demain soir, je ne serai pas là. Vous me verrez samedi. Samedi soir. Samedi soir. Pour la grande soirée du neuneu. Samedi dans la journée, il risque d'y avoir Akanaka qui risque de prendre l'après-midi. Et puis, voilà, donc je serai en pleine forme samedi soir pour faire plein de bêtises et prendre vos points d'exclamation bateau que je ne pense pas que vous allez me faire faire des bateaux très bien. Mais c'est pas grave, on s'amuse beaucoup, c'est le jeu, c'est le principal. Bonne nuit à tous, merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'ici et je vous dis à samedi les amis, plus plus, bye bye, bonne nuit tout le monde.